Salut, j'en ai tant de chips, mais les gars, j'ai parlé de la vidéo combien de personnes. En fait, non, je rigole, les amis, j'ai 110 amis en ce moment, les amis, qui sont en train de regarder mon live. Donc aujourd'hui, je suis pas tout seul. J'ai enfin trouvé des fucking amis. Yes! Donc aujourd'hui, les amis, on est sur CopFaction. Et puis, je suis vraiment, vraiment content de vous proposer cette vidéo-là parce que c'est la vidéo des plus belles AP, dans le fond. Et la vidéo, j'ai décidé de la tourner en live avec les abonnés qui étaient présents sur mon live ainsi que sur mon serveur. Donc, j'ai pas fait de pub du live dans le chat. J'ai juste démarré mon live sur ma chaîne YouTube. On est 110. Sur le serveur, on est en ce moment 370 à peu près, et il est seulement 7h du matin pour les heures québécois, et l'école est recommencée au Québec. Pour toutes les gens qui ont recommencé l'école au Québec, je suis vraiment désolé pour vous, inquiétez-vous pas, ça va passer vite. C'est seulement 350 jours ou 300, je sais pas, je pense c'est 110 jours d'école ou quelque chose comme ça, je sais pas exactement là, mais ça va passer vite, inquiétez-vous pas, les vacances approchent bientôt déjà et vous allez pouvoir recommencer à jouer sur un CopFaction. Donc voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, dans le fond, c'est un peu spécial, on va présenter deux AP. Et puis un AP bonus que je vais juste vite fait passer parce que je trouvais qu'il était vraiment stylé. Donc voilà, donc au final 3 AP aujourd'hui. Aussi, on va sûrement laisser des cadeaux dans chacun des AP. Et puis si vous voulez pas rater une prochaine fois que je fais une présentation de base ou quoi que ce soit, abonnez-vous à ma chaîne YouTube avec la petite cloche, comme ça quand je fais un live, vous êtes directement notifié sur votre portable. Et puis voilà. Sur ce, je pense qu'on va démarrer ça maintenant. Oh, juste avant que la vidéo démarre aussi, les amis, on a rajouté des slots. Donc maintenant, sur le serveur, il a 450 slots. Donc vous avez beaucoup plus d'espace pour venir jouer. Et le serveur, comme vous voyez, il a pas tant que ça. Donc la qualité du serveur est quand même propre. Niveau du PVP, etc. C'était pas les vrais TPS. Les vrais TPS, c'est 17, comme vous pouvez voir là. Parce qu'on utilise React. Donc voilà, React est vraiment cool. Donc voilà, les gars, je vais vous reprendre pour le... L'AP numéro 1, à tout de suite. Yop les amis, donc on se retrouve, j'avais déjà cette ombre. On peut voir qu'il y a un joueur à l'intérieur ici, je sais pas si c'est sa faction à lui. Ça s'appelle la New Legion, donc ils ont mis deux drapeaux de la France. Et personnellement, okay, si j'aurais fait le drapeau de la France, je l'aurais fait un peu différemment. Moi je l'aurais mis en côté comme s'il était en train de voler, genre. Check comme ça, genre. Attends, est-ce que c'est comme ça? Attends, non, c'est comme ça. Hop là, mon clavier il est bugué. Oh! Ok, attends. Comme ça. J'aurais fait un truc dans le genre comme ça, vous comprenez? Hop là, comme ceci. Comme ça, check, on voit le drapeau de la France qui vole, tu sais. Ah, fuck, je me suis trompé d'une couleur à chaque fois. Fuck. J'ai mis deux bleus, merde. Merde, alors. Merdouille, alors. Voilà, comme ça. Comme ça, on peut voir le drapeau, il est genre dans l'air, il flotte et tout, c'est mieux, tu vois. Donc, c'est la faction de qui I was. C'est la New Legend. Je sais pas, on va voir la New Legend. New Legend. Donc, la New Legend est Fab du quelque chose. Et il n'y a pas I was. Donc, c'est juste un de ses amis, sûrement. On peut voir un drapeau aussi du Québec. Donc, il est bien fait. On va commencer par le bas. Donc, quand on arrive ici, il y a quoi? Rien à part ça. Oh, ce truc de merde pour enlever les... pour voler les items aux gens, c'est vraiment un cancer. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a une petite montagne avec rien à l'intérieur qui sert à rien comme d'habitude. Ici, on rentre ici, il y a quoi? Rien non plus. Tabarnak, c'est vraiment beau ton AP, hein. Ça, je trouve ça stylé, l'arc, un genre de arche pour sortir. Ensuite, on a quoi ici? Ah, ça, c'est un peu cancer, hein. Ça, c'est une petite trappe assez cancérigène. Ça, c'était qui? What the fuck? Félicitations à Kézé qui a acheté le grade de Bull en jeu, d'ailleurs. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on peut monter au château, non? Non, on peut pas monter au château. Tabarnak, comment on va dans le château? Attends. Je suis perdu dans un château, mesdames et messieurs. Explication, ça tourne mal. Puis on va faire un slash top parce que j'arrive pas à y aller. Bon, on est au toit du château. Qu'est-ce qu'on a au toit? On a le drapeau du Québec, comme je vous ai montré. Et ici, je crois que c'est des trappes. Non? Ouais. Ici, ça... Non, ça, c'est des tours de contrôle. D'accord. Mais pourquoi il y avait des trappes d'en haut? On pouvait voir des trappes, gros. On pouvait tomber d'en bas, gros. J'avais vu. Ah, c'est ici. Regardez. Ici, boum. Là, le gars peut nous farmer. Ça, c'est vraiment pas gentil. Mais bon, voilà. Sinon, c'est quand même un petit AP, hein, en vrai, quand on y regarde, c'est pas quelque chose de vraiment énorme. Je pense qu'ils ont même pas de trou bed. On va prendre une boussole vite fait pour aller voir si on a un trou bed. Hop là, je sais même pas c'est où la boussole. Hop là. Ils ont pas de... Oh, ils ont pas de trou bed. C'est rien qui est de trou bed ou quoi. Ah, oh, attends, si, peut-être. Non. Ils ont quelque chose ici, mais ça a pas l'air d'être un trou bed. Ça a juste l'air d'être... Ouais, je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Ça, c'est le spawn, fait qu'on peut voir qu'ils ont vraiment pas de trou bed, les amis. Donc, ouais. C'est pas grave, c'était une super de belle AP. C'était la New Legend, donc c'était Fab quelque chose. Je vais donner un petit cadeau à Fab. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner? Vu que c'était un bon builder, on va lui faire une hache Sharpness 3. Et on va lui mettre aussi Efficiency 5.
et on va lui donner. C'est une hache en vulcanite, ça coûte super cher à crafter. Donc c'était Fab quelque chose, c'était son AP, hein. Right. Donc on va lui donner ça. Fais attention pour mourir avec ça, mon ami, c'est un item légendaire. Et donc, on se retrouve pour le deuxième AP! Yup les gars, donc voici le premier AP, c'est l'AP de la Arco Sky. C'est un AP juste magnifique les amis. J'ai vu cet AP, j'ai découvert cet AP à cause d'un des abonnés qui m'a sur Snapchat. Donc il m'a ajouté sur Snapchat, mon Snapchat qui est Icons87. Il m'a ajouté, il m'a envoyé une photo de ça, il m'a dit je suis en train de build quelque chose. Et là j'ai dit what the fuck, donne-moi ton pseudo, je vais aller voir etc. Et je suis tombé sur cette magnifique AP les amis. Regardez ça, c'est un en fait c'est un 3 claim. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est légal. Parce qu'il y a un claim de ce côté-ci, un claim de ce côté-ci. Et le troisième claim est en coin. Donc c'est pas nécessairement 3 claims d'AP, c'est 2 claims. Donc le claim 1, claim 2. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont vraiment utilisé tout l'espace qui leur était fourni pour vraiment faire le minuscule détail. Comme on peut voir ici, la neige arrête ici. Chaque petit détail compte dans leur truc. Donc on va faire le tour. Donc ici on peut voir que c'est des trappes qui descendent jusqu'en bas. Niveau des trappes, qu'est-ce que c'est? C'est juste de l'eau en bas pour essayer de... Ensuite ils doivent gangbang le gars. Vu que les trappes sont interdites sur les AP, les amis, vous êtes au courant. D'ailleurs, en parlant des avant-postes, est-ce que vous aimeriez qu'on désactive les explosions dans les avant-postes? Donc comme quoi que les AP soient impétables aux creepers ainsi que la TNT et à tout autre mob qui explose. Est-ce que vous aimeriez ça? Comme ça, ça pourrait faire en sorte qu'il y ait vraiment des belles AP sur le serveur. Et de toute façon, vous pouvez pas poser de coffre dans les AP, donc il n'y aura pas de base impillable comme on peut dire ou quoi que ce soit. Donc ensuite on avance ici, on a vraiment énormément de décorations et on tombe ici et on a une autre trappe, une trappe water, donc voilà, avec des safe rooms. Ici il manque des panneaux, mais bon voilà quoi, ils sont un peu attardés, donc on va les aider. Voilà, voilà, voilà amigos, señora, no welcomos. Voilà, on les a aidés, c'est du give, pas grave, et on va me faire report. Donc, ensuite, quand on vient ici, on a quoi? Rien. Ah, c'est vraiment juste beau, en fait, genre, je sais pas comment expliquer, je trouve genre, juste le petit détail, genre, juste la plaque de pression ici, genre, ça fait une différence. S'il a pas la plaque de pression, c'est moche. Mais s'il y a une plaque de pression, c'est beau, vous comprenez? C'est un petit détail, mais tous les détails comptent. Si on descend ici, on a quoi? Une chute rapide, et ici, on a une échelle pour remonter, ok. J'ai bien fait de descendre par là. Hop là. Et ensuite, on a des portes. On va fermer les portes si jamais quelqu'un nous suit. Ensuite, on a d'autres portes. On va le casser. On va lui casser les couilles parce qu'il nous suit. Oh fuck, il était plus vite que nous. Ok, ici, on a d'autres portes. Tabarnak, c'est un labyrinthe leur affaire. Et qui amène à au truc de safe room. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis. Parce que ici, ça l'amène nulle part non plus. Sauf que. Voilà, ok. Ça, en le fond, c'était en haut. Voilà, voilà. Ok, d'accord. Waouh, franchement, les gars, ça va. Il y a des coffres ici avec vraiment beaucoup de stuff. Donc, je pense que je vais devoir les faire péter aux creepers, les amis. Ici, on a quoi? Oh, on a une autre trappe ici. Attendez, j'avais pas vu. Et un autre trappe ici qui est pas encore finalisé. Ah, peut-être que si. C'est juste, ouais, une trappe pour descendre. Et ensuite, on a de l'eau avec de l'obsidienne. Et plusieurs safe rooms. Ici, c'est en bas, dans le fond, de leur truc. S'ils veulent rentrer, ils font ça. Plutôt pratique, j'aime bien le concept. Et ici c'est le drop down pour remonter qui était ici, celui-là, ok. Était ici. Ok, the fuck. What? Tu quoi c'est? Merde. Ok, et puis celui-là ici, ils vont par ici. Ok, d'accord. Ici par ici, ils drop ici. Et là, ils ont juste une salle avec du crepsi, ils redrop en bas. Vraiment intéressant. Je pense qu'il y a un autre trap aussi de ce côté-là. Vu qu'ils en ont fait un de ce côté-là, ils ont dit d'en faire un ici aussi. Et ouais, c'est ce que je suis un génie, les amis. Je suis un fucking génie. Regardez, je savais qu'il y en avait un autre trap ici. Et ici, ça amène la même chose. Ils font la même chose. Un petit passage qui amène à une salle où ils peuvent remonter, descendre et remonter. J'imagine que remonter doit être quelque part par ici. Là, je sais juste pas comment faire. Mais en gros, voilà. Plutôt intéressant comme avant-poste. Franchement, les amis, c'est vraiment magnifique. Je sais vraiment pas quoi vous donner à part quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, ok? Je sais que vous allez sûrement rire ou quoi, mais ça va vous faire plaisir. Ne vous inquiétez pas, les amis. Donc, on va poser ça ici. Attends, on va peut-être le poser plus genre ici. Et on va faire un spawner snowman. Comme ça, ça va être le seul sur le serveur à avoir un spawner de snowman. Et peut-être que les snowmen vont spawn. Et oui, ils spawnent ici. Donc, ils pourront dans leur AP avoir des snowmen. Parce que je trouve que ça va bien avec leur AP. Tu sais, les snowmen pourront se promener, etc. Et tout. C'est qui fait péter? Ça, c'est pas gentil. C'est qui? Ok, venez, on va les tuer. On va les tuer! What
What's up, gens d'internet? On se reprend. Donc, ça fait une journée, dans le fond, que mon live a été fini. Et j'ai pas posté la vidéo parce que je me suis dit, on a vraiment eu un bon live. Je vais mettre la rediffusion complète sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez vraiment tout voir qu'est-ce qui s'est passé durant mon live, vous pouvez voir la rediffusion complète sur ma chaîne YouTube. Ma dernière vidéo qui a été postée, c'est la rediffusion du live. Aussi, les amis, je sais que je vais devenir un peu émotif parce que c'est assez incroyable qu'est-ce qui se passe en ce moment sur KaFaction. En fait, KaFaction, il bat des records que personne n'a réussi à faire avant, je crois pas. Mais le serveur, en tout cas, pour moi, mes records à moi, personnellement, vous savez, j'ai eu iFactions. Et jamais on a réussi à tenir 400 cours constant comme ça. Ça fait une semaine que le serveur est ouvert. Et c'est bizarre parce que le premier jour de l'ouverture, le samedi, il y a une semaine exactement. Samedi, ça fait deux semaines que le serveur est ouvert. Donc le samedi, le premier samedi du serveur, on était 250 lors de l'ouverture. Et là, on a dit, ouais, 250, c'est une bonne ouverture, etc. Finalement, oh, toi, tu viens me cacher. Finalement, on continue le serveur, etc. On continue à rajouter des trucs, faire nos mises à jour, etc. comme on fait. Honnêtement, on a continué à faire des mises à jour avec Elox. On a rajouté, on a modifié tout ce que les joueurs voulaient. Okay? On a fait la proposition, on a enlevé le mur back AP, on a enlevé les underperles, on a rajouté beaucoup plus d'items au shop. On a fait beaucoup de choses que vous nous aviez demandé. Et on a beaucoup à focuser les serveurs sur le farm to win. Donc on a rajouté les spawners. Vous pouvez acheter les spawners en jeu. Vous pouvez acheter aussi vos kits. Les kits, c'est super pas cher en jeu. Si vous êtes un joueur du serveur, vous savez que pour avoir toutes les kits, ça prend à peu près 1 500 000 pour avoir toutes les kits. Vous pouvez acheter vos potions. Tout est vraiment focaliser sur le farm to win. Vous allez bientôt pouvoir aussi acheter les commandes en jeu, les kits en jeu, etc. Il y a juste un truc qu'on a fait cette semaine, c'est qu'on a rajouté un grade élite. Pourquoi on a rajouté un grade élite? Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être vraiment genre fâchés parce que le grade coûte quand même, je pense, 30 euros et quelques. Pourquoi on a fait ça? C'est très simple, c'est parce que beaucoup d'entre vous voulaient que des grades à vie. Et nous, le serveur, on pouvait pas se permettre de faire les grades à vie parce qu'on sait pas combien de temps le serveur va durer. Donc avec l'équipe, on a pris une décision. On a dit le serveur va durer environ 4 mois. Ok, 4 mois. Donc là, ça fait 3 semaines. Samedi 6, ça va faire 3 semaines que le serveur est ouvert. Donc on s'est dit, il nous reste encore 3 mois. Qu'est-ce qu'on pourrait, à peu près, ouais, 3 mois et une semaine qui nous reste. Donc on s'est dit, si on faisait un grade, le meilleur grade, fois 4. Donc là, on a fait 9 euros fois 4, ça va donner environ 50 euros, ok? Et là, on s'est dit, on va faire une réduction, on va le mettre à 38 euros, à peu près. Donc à 38 euros, ça vous fait 40 euros pour un grade qui va durer environ 4 mois. Donc c'est comme si vous achetez le Suprême 4 fois, dans le fond, avec le Elite. Qu'est-ce que vous avez en plus? C'est que vous avez aussi les tags, tous les tags, et vous avez d'autres trucs. Oh, le volcan, il y en a eu deux de suite à cause qu'il a été miné trop rapidement. Lol. À chaque fois que ça fait ça, quand que, dans le fond, le volcan, il se fait récupérer trop rapidement. Si le volcan se fait récupérer en moins d'une minute, il y en a un deuxième qui apparaît, ou un troisième, et ainsi de suite. C'est vraiment intéressant, même chose pour le temps. Donc voilà, il y en a un autre volcan qui va réapparaître d'après moi, vu que ça a pris seulement 9-10 secondes avant d'éliminer. Sur ce, les amis, c'est tout ce que je vais vous dire. Je vais dire juste que c'était incroyable le nombre de gens qui supportaient le serveur, le nombre de personnes qui se connectent au serveur, le nombre de gens qui viennent, qui apprécient ce qu'on fait. Honnêtement, les amis, c'est juste un truc de malade. Et là, qui passe énormément de temps, il y a des youtubeurs comme Chasseur de Tulip, Flaws, plein d'autres youtubeurs, Toustibat, plein de gens. Non, en fait, aussi pas, je pense pas que je joue sur le serveur. Mais bref, il y a plein de gens sur le serveur. Écoutez, regarde, je vais faire un petit slash list vite fait. Il y a tous ces youtubeurs-là, District, c'est ça que c'est le nom que je cherchais, Mamadou le fou. Plein de gens, les amis, qui jouent sur le serveur. Plein de youtubeurs qu'on n'a pas rémunéré. Il y a personne qui a été rémunéré. Il y a seulement QCOX que j'ai rémunéré parce que si vous savez pas QCOX, il y a une opération qui va se produire. Il y a besoin d'argent pour payer son opération. Donc, je lui ai donné 25$ de ma poche pour qu'il fasse une petite vidéo sur le serveur en même temps. C'est lui, il est content, il a eu 25$. Et puis, on va pas le repayer ou quoi. C'est vraiment. C'était juste pour l'aider pour son opération, etc. vite fait. Et puis là, on n'a pas payé aucun youtubeur. Et puis, je sais pas. Je suis juste vraiment émotif parce que c'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir. De penser que vous, les joueurs, vous faites du serveur, qu'est-ce qu'il y en a, quoi. C'est incroyable parce que s'il n'y aurait pas chacun d'entre vous, le serveur ne serait pas connu. Ces youtubeurs-là ne seraient pas sur le serveur. Et puis, le serveur ne produirait pas environ 24 000 morts par jour. Si vous voulez voir des statistiques assez incroyables, vous allez sur notre Twitter. On va bientôt racheter une page statistique, etc. Bref, je vais arrêter de blablater. Je suis vraiment excité. Puis, juste un gros merci à chacun d'entre vous qui joue sur le serveur, qui s'est connecté. Ou même si vous avez quitté le serveur, vous avez juste été sur le serveur, vous êtes venu, vous avez apprécié, etc. Un gros merci à vous. Je vous laisse. Et puis, encore merci, les amis.